Salut à toutes et à tous, c'est Imaginox9 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Lastim sur Russie. Alors on continue avec les prototypes, et cette fois-ci donc, on est au début des années 2000, vers 2005, environ 2004-2005, et Lastim voulait acheter des nouveaux bus standards. Alors, ils ont testé un Vanol UA330, un Vanol UA360, un Mercedes-Benz Zitaro, ainsi qu'un Irisbus City Class. Alors oui, il a aussi été vendu sous le nom Iveco City Class. Et dans les années 2000, c'était Irisbus City Class. Un bus italiano, sì, le porte anteriore, centrale e posteriore, sì, veicolo fermo. Bon, allez, j'arrête. Il faut savoir que c'est la première fois que je conduis ce bus, hein. Attendez. Je me trompe même de route. Codice inesistente. Pourquoi ça me met... Codice, machin brôle. Destinazione uno. Bon, je sais pas comment ça marche alors. Je vais faire ça à l'ancienne. Voilà. Il y a la navette exclusion qui arrive. Et d'où on s'en va? Attendez, il a la cabine à la russe, ce bus. Ah, on dirait bien que oui. Ah non. Guten Tag. Hallo. Mir ist das zu kalt hier im Bus. Haben Sie keine Heizung?
Fermata, prendo Tata. Pour la petite histoire, les A300 et les AG300 de la STIB, ainsi que les Yonk RSV250, ont ce type de siège-là, mais avec une autre texture, évidemment. Allez, bah c'est parti du coup. Parce que l'accent. Alors vu que j'ai pas réussi à configurer la machine, il n'y aura pas d'annonce. Tiens, il y a des caméras de porte arrière, ça c'est cool. Ah, par contre, la caméra, un coup par là, ça y est. Ça se voit que c'est un bus adapté pour la conduite à l'italienne. C'est-à-dire à fond en mode course de voiture. On sait même ouvrir les portes arrière en marche. Alors ce bus, en gros, c'était la version italienne de l'Agora. Même moteur, même truc, même tout. Juste la carrosserie qui est différente. Je parle bien des Agora Medin Iris Bus. Hein. Bah alors... Fahrschein bitte. Dankeschön. Ja, Mann, Podcast. Eine
Fahrkarte bitte. Hallo. Non, il n'y a pas de caisse. Hallo. Sowas wie eine Heizung. Ah, attends, hallo. Les gens ils peuvent monter derrière, bah c'est super ça, allez hop. Je les ai vus monter derrière, tant mieux. En même temps, en Italie, les gens peuvent monter par la première et la dernière porte. Et ils descendent par les portes au milieu. Oui, c'est bizarre, c'est spécial, mais non. C'est un héritage du temps où il y avait un receveur. À cause de ces arrêts expédiés en 2-3 mouvements, je suis beaucoup trop en avance. C'est la fête aux ambulances comme sur une seule bourg.
N'empêche, ce sera vraiment du vite fait parce que on n'est plus très loin du terminus. C'est vraiment de la conduite rapide. Allez, aussi. Et voilà, on est déjà arrivé au terminus. Alors, la semaine prochaine dans la Steam sur OMSI, on sera sur une map qui va vous plaire, Grande Porto. Alors, je vais juste me garer là-bas au terminus, normal. Le pire, c'est que j'accélère normalement, je force pas du tout. Il sert à quoi ce bouton? Ah ok. Je croyais que c'était ça le bouton. Allez, bah on est arrivé. Et voilà.
Attendez. On peut fixer la porte comme ça. C'est vraiment spécial en tout cas. Et voilà, c'est donc sur ces images que l'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et au revoir.